Travailler plusieurs mois dans un abattoir, partir pour la Chine à vélo, braquer une banque pour un franc symbolique, casser l'urinoir de Marcel Duchamp, se couper un doigt pour protester contre l'enlèvement d'Ingrid Betancourt, dans la longue liste des happenings de Pinoncelli, nombre lui ont valu blessures, arrestations, procès et amendes. On appelle ça de l'art, mais pour moi c'était l'enfance qui continuait, quoi. J'ai vu qu'il aspergeait André Malraux d'encre rouge ou de peinture rouge. Est-ce que vous pensez que choquer l'opinion publique peut servir à quelque chose? À mon avis, c'est la seule chose par laquelle on fait remuer un peu les gens, c'est les choquer, sinon là, les gens se fichent de tout. On méconnaît ce fait que c'est un artiste d'avant-garde authentique. Les artistes, certains d'entre eux en tout cas, étaient capables de prendre des risques, autant aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent ça. Il y a du Pinoncelli dans nous tous. Demain, peut-être, on se réveillera et on dira « Mais cet homme avait raison !»